Alors, tu sais que dans cette émission, il y a des surprises. Et comme Monsieur Delon ne fait jamais les choses à moitié, il nous a amené aussi une surprise. Ah. Alors, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je vous dis simplement, c'est que regardez parce que... Sinon, ça ne serait pas une surprise. Exactement. À tout à l'heure. J'ai quand même une petite question à te poser. Je suis sûre que tu l'as vu à l'Eurovision, Joël. Bah, je l'ai vu comme des millions de Français et des dizaines, centaines de millions d'Européens. Absolument. Mais on a tremblé, on a regretté. Oui, mais attends, je voudrais savoir une chose. Qu'est-ce que c'est qui t'a inspiré ce coup de cœur? C'est les paroles de Gainsbourg, la musique ou Joël? C'est d'abord Joël, c'est ensuite la musique et enfin les paroles de Gainsbourg. Oui. Je ne manque pas de talent, mais je veux dire que c'est un tout, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Puis Joël a une très belle, une très forte personnalité et Joël est scorpion. Qui ne gâche rien. Ah ben bah voilà. Oui, absolument. Dis-moi Joël. Scorpion alors... comme Monsieur comme de Lulon. Ouais. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on est d'un seul coup projeté comme ça? Parce que tu es venu il y a 2 mois, tu n'avais pas encore fait l'Eurovision. Oui. Tu es venu dans cette émission et là maintenant on te voit partout, on t'entend partout. Comment tu prends ça? Comment tu réagis? J'ai la chance d'avoir la tête bien sur les épaules, donc ça va. Ça va, tout va bien. C'est vrai que ce qui m'arrive est extraordinaire, mais ça va. Je ne suis pas la grosse tête, j'espère que je ne l'aurai jamais, ça va. Qu'est-ce qui se passe quand jusqu'au dernier moment on pense qu'on va gagner et on s'aperçoit qu'à la dernière seconde, c'est l'autre? Là, c'est quoi? Tout s'écroule ou c'est on non, sera mieux la prochaine fois? Un peu déçu, mais
être seconde avec un petit point d'interrogation, c'est peut-être mieux d'être première, tout simplement. Donc, c'est pas grave. Pour moi, l'important, c'était de participer. Et de représenter la France. Et de représenter la France et de représenter une communauté noire qui est aussi Absolument. Importante. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est extraordinaire que je sois seconde sur 22 pays. C'est extraordinaire, absolument. Et, voilà, ça finit par ici ce soir. Exactement.